Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre entrée de mon concours de 30e anniversaire. Cela vient de Louisiana. C'est un État aux États-Unis. Et elle m'a envoyé deux cartes postales de Louisiana. Un, c'est des choses à propos de Louisiana et un, c'est comme ça. Et c'est marrant, la petite note qu'elle a mis derrière, c'est que ça ressemble pas comme ça. C'est plutôt la ville où elle habite, au moins. Mais elle trouve ça joli, donc, et moi aussi. Donc, ici, ça, c'est sa Memory Dex carte. Elle s'appelle Robin. Et elle est Crafts I Heart sur YouTube et Plan Craft Love sur Instagram. J'adore sa carte de Memory Dex. Je vais mettre sa information dans la boîte de description, bien sûr, comme d'habitude. Mais regarde, c'est 3D, elle a utilisé tout et c'est incroyable comment elle a fait. J'adore. Franchement, je trouve ça tellement joli. Donc, merci Robin. Elle a aussi fait ce petit poche pour moi et je trouve ça mignon. Déjà, comment elle a décoré. Ah, il y a ça. Ça, c'est pas là normalement. C'est le fleur. Je vais essayer de faire. Oui, c'est comme ça. Parce que dans la boîte, comme vous voyez, elle a mis tellement de choses très jolies. C'est partout. Donc, ça zip. Non, ça pas zip. Il y a un petit bouton comme ça. Clic. Et elle a mis une petite carte pour moi. Avec un petit mot. C'est très gentil. Très joli. Très, très joli. J'adore. Avec des papillons. Elle me remercie et après elle a mis ses coordonnées. Donc, merci à elle parce que c'est tellement joli. Et après, elle a mis ça pour que quand je donne un cadeau, je peux mettre un petit mot aussi. Et donc, ça, c'est tellement joli, je trouve. Donc, merci pour ça. Ça, c'était dans ce petit pochet qu'elle a fait elle-même. Elle fait tout. Après, elle m'a donné un mélange de séquins. J'adore les couleurs, le or, le rose. Après, ce joli fleur. Et après, en anglais, on dit altered. C'est que elle a acheté le cadre, mais elle a décoré comme elle aime ou comme j'aime. Et j'adore ça parce que il y a ce cluster, c'est très très joli. Je sais pas comment dire cluster, mais il y a des fleurs, c'est incroyable. Et il y a le ribbon pompon. Et c'est un shaker en plus. Il y a plein de séquins dedans. And shoot for the stars. C'est une jolie expression en anglais. Joli mot. J'adore et j'ai hâte de mettre dans mon atelier quand c'est fini. Donc, merci encore, Robin, pour ça. Et après, sa boîte d'embellissement, c'est très, très joli. Un de mes mots préférés, c'est awesome en anglais. Et après, elle a fait ce tasseau, ce joli fleur. C'est tellement joli. Donc, dans la première, c'est difficile un peu d'ouvrir, mais ça va. Il y a ce petit sac à main pour les filles. Et puis, elle a fait cet incroyable dangle, on s'appelle ça. Avec le cœur et les jolies perles. Ça, c'était dans la première. Dans la deuxième, il y a des nœuds partout de différentes couleurs. Il y a bleu. Ah, il faut.
Faut refaire. Oui, comme ça. J'adore les nœuds. On ne peut pas se tromper avec des nœuds. Mais il y a beaucoup. Il y a de différentes couleurs et tout ça. C'est fait avec des rubans. Et j'adore. Merci beaucoup. J'adore les rubans. J'essaie de remettre. Après, il y a ces perles-là avec des mots en anglais. Et j'adore. J'ai essayé d'acheter, mais en fait, ils m'ont envoyé quelque chose d'autre. J'étais un peu déçue. Donc, merci pour partager ça avec moi parce que ah, j'essaie d'attraper, désolé. Parce que j'ai vraiment voulu. C'est des petits mots, mais c'est des perles. Mais tu peux utiliser sur les petits. Et il y a de deux côtés. Donc, je peux choisir le mot que je préfère. Il y a plein. Donc, merci pour partager les perles avec moi. J'adore avec les mots comme ça. J'ai vraiment voulu ça. Sur les petits embellissements, c'est assez sympa d'avoir des mots et ça, c'est parfait pour ça. Il y a ce shabby chic fleur en blanc. Il y a cette petite glace. C'est joli. Et avec ça, il y a tous les découpes des Hello Kitty. Ah, c'est trop mimi! Donc, plein, plein, plein de découpes Hello Kitty. Quand j'étais petite, j'étais accro à tout ce qui est Hello Kitty. J'ai vraiment adoré. Après, il y a des cabajons. Je sais pas comment dire. Mais il y a cette fleur. Oh, c'est difficile à enlever. Ah, voilà. Ce petit beignet, mais en forme de Disney. Une autre fleur qui brille. Pas brille, mais brille. Un bonbon et ce cœur avec le petit nœud en rose. J'adore. Merci pour partager avec moi. Encore. Oups. Après, il y a ça pour. C'est comme un ruban, mais avec des perles. Oh, c'est joli. J'adore. Et il y a beaucoup. Et dans la dernière petite boîte, il y a plein, plein, plein de strass en rose, comme ça. Tout est en rose, tout est comme ça. Donc, merci beaucoup. J'aime bien utiliser ça et merci pour partager. Donc, encore, ça c'est de Robin qui est Crafts I Heart et je vais mettre toute cette information en bas de la boîte en description. Merci pour regarder. À bientôt, mes amis. Bisous.